Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turfaire, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 9 avril sur l'hippodrome de Gävle en Suède. Comme toujours, résumons le quintet de la veille qui avait lieu mardi sur l'hippodrome d'Akshevala en Suède. Potens Dibaba, le numéro 1, s'impose lors d'une arrivée composée essentiellement de favoris où Top Prono et Turf Sélection donnent logiquement le tiercé, quarté, quintet plus dans le désordre. Pour ce qui est du concours de pronos gratuits, beaucoup de vainqueurs et notamment Trups, MacJack 56 et Tassio 59 qui s'illustrent en donnant le quintet dans le désordre ainsi que les bonnes bases. Bravo à eux! Allez, après notre petite escapade asiatique du côté d'Happy Valley, reprenons la direction de la Suède et plus précisément de l'hippodrome de Gävle. En ce jeudi 9 avril 2020, c'est le prix Jupiter de Crépon, 10e course de la Réunion 1 dont le coup d'envoi sera donné à 21h23 précise, qui a été choisi. 14 excellentes femelles s'affronteront lors d'une épreuve concourue sur le tracé de 2640 mètres où 3 échelons de départ seront proposés. I Love Paris, le numéro 13, vient de s'imposer extrêmement facilement sur le parcours des 1640 mètres. Bien connue des turfistes français et présentée par le talentueux Björn Goop, elle ne devrait aucunement manquer sa cible aujourd'hui. En valeur pure, Unique Juni, le numéro 14, est la seule à pouvoir l'inquiéter. Cette très bonne représentante de l'entraînement Wellstrom sera à son aise sur la longue distance du jour et compte bien prendre sa revanche sur notre favorite qui l'a devancée en dernier lieu. Lady Zappa, le numéro 8, qui ne s'élancera elle qu'avec 20 mètres de retard sur les moins riches, n'a qu'à fournir sa meilleure valeur pour conclure sur le podium. Accordons du crédit à la candidature de Lady Uline, le numéro 5, une femelle de 6 ans qui partira avec la grande confiance d'Eric Addison, son talentueux pilote. Unkidori Degato, le numéro 6, qui apprécie tout particulièrement la piste de Gävle, peut terminer dans les 5 premiers. N'oublions pas Adi Gallia, le numéro 10, qui peut créer une belle surprise dans le slow et faire afficher une jolie cote à l'arrivée. En cas de non-partant, Electra Jet, le numéro 12, qui a montré beaucoup de classe en France, aura des fans. Bon quintet plus à tous, les amis, et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.